la Confédération internationale de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels et le ministère de la Compassion des âmes, MCA, organisent un puissant moment d'orientation prophétique, de délivrance et de restauration des âmes avec le prophète Joël Crasso, maréchal de la brigade anti-sorcier. Thème: comment être délivré des liens de la sorcellerie? Tu souffres des œuvres de la sorcellerie? Envoûtement, paume sèche, manque de stabilité, longtemps tu es dans les liens et tu ne comprends plus ce qui t'arrive. Tu as énuméré un certain nombre de projets à réaliser pour l'année 2018. Viens expérimenter la puissance du Dieu vivant pendant ce moment de prière. À Divo, derrière la CNPS, tous les jours suivis de rencontres prophétiques. Contact 32 76 38 90 47 07 23 28 07 92 99 11. Que Dieu te bénisse. Si ça sert, ça on sait. Maintenant tu veux délivrer pour quoi? Je veux délivrer pour guérir. Hein? Pourtant tu as mangé les gens. Oui. Tu as dit que tu veux guérir. Oui. Pourquoi? C'est la sorcellerie qui fait ça. Toi, tu manges les gens, tu les gâtes, et toi, tu veux guérir. Oui. À cause des guérisons, tu es venu. Oui. Pas pour servir Dieu. Tu peux servir Dieu. Ah, tu peux. Tu veux le servir. Oui. Pourquoi? Parce qu'il est mon Dieu. Il est ton Dieu comment? Il est mon sauveur. Arrête pas comme il dit, il va te mener avec ton sauveur. Oui. Où sont tes reins? Je vais dire mes reins. C'est comme Claclo et l'enfant. Oui. Et puis j'ai répondu, on va mettre son nom avec Claclo. C'est baigné. Non, la Claclo, là, c'est le baigné de bananes plantées. On prie ça, on s'en dit Claclo. Dans longtemps, il n'y a pas moyen ça aussi. Hein? Bon, ils étaient arrêtés. On dit sorcière, on parlait où vous êtes. Tu as vendu? Oui. J'ai vendu ta sorcellerie. Ah, fais comment? Tu as vendu? Rien qui est bien là, où on s'assoit, tout c'est doux, tu es content dans la voiture, tu dors, tu es content. Toi, tu vends pour toi. Quand quelqu'un peut aller vendre rien, la dernière fois, je t'ai dit de partir. Il n'a pas parlé, tu nous as perdu du temps. Tu es encore sur le banc. Où est sa fille? Elle est restée. Pourquoi? Elle dit quoi? Hein? Parlez comment? Je vais confesser. Bien. Après, on va prendre la. Bon, je prends la vieille là. Les gens, c'est de l'eau, les gens demandent. Plutôt là, ça boit ça. Et sa main lâchée ou même. C'est ça, toi, tu vas élever. Moi-même, là, j'aime pas élever chien, chat. J'aime élever ce qu'on peut manger. J'élève mouton, poulet. J'aime mon ayant à manger, je vais te manger. Je suis malade ou pas. Je t'ai donné à manger, je t'ai mangé après. Allez payer 400 euros, 500 euros, manger des chats. Hein? Et pourquoi les gens ont mangé ça, tu as compris? Tu es sorcier. Allez-y, vite, vite, vite. Ici, c'est le dévoilement et la destruction des œuvres, la sorcellerie. On n'imite pas. Les gens pensent que c'est imiter un parent de quelqu'un. Bon, tant pis, comme vous voulez interpréter ça comme ça. Mais pour nous, le principe de base, c'est faire des aveux. Oui, les aveux. On coupe les téléphones, s'il vous plaît. On coupe les téléphones. Celle qui m'a initié s'appelle Bourbesson. T'as tué combien de gens? Pas pour ça. J'ai tué 9 personnes. Il va. Pas neuf.
Est-ce qu'elle a tué 12 personnes? Moi ou bien tu veux être délivré? Tu as dit quoi? Ah, maintenant qu'elle dit, tu connais pas le bruit de sorcier. Pendant que toi tu parles, Dieu me dit le nom des gens que tu as tués. Il me dit, si c'est exact, il me dit exact. C'est ça la différence. Pendant que toi tu parles, moi je suis dans le spirituel. Donc je reçois les messages et j'essaie. Tu vois ce que tu fais là? Je peux te dire, ouais, ce que tu as fait. Vas-y, tu as fait. Oui, j'ai fait ça. Mais ça, c'est pas confession. Tu as tué combien? Moi, consigné. Elle n'est même pas dans 12, elle est dans 200 là-bas. Pourquoi? Une vieille quand qui tue les gens, 200 c'est petit. Une vieille quand même. Elle dit qu'elle a tué 15 personnes. Si tu finis pas de dire, tu auras des problèmes. Bon, elle dit qu'elle a tué 20 personnes. Tu veux quoi, non? On t'a envoyé ici. Elle dit qu'elle veut la délivrance. Elle a tué 285 personnes. C'est le message que je reçois de la part de Dieu. Voilà. Il y a encore un Seigneur à Blanc et Béoni. Il y a 100 Baoui. Il y a 2 ans, il y a un Baoui. C'est comment m'embêter? C'est comme un douleur. 285 en douleur. Connaissez-vous? Ok. Faut t'asseoir, t'es une sorcière. Faut t'asseoir là-bas. Sorcière, soit je suis parti. Moi, j'ai un détecteur dans ma tête. C'est pour ça que je suis parti près d'elle. J'ai testé le détecteur. Les vibreurs, j'ai dit, ok, ça y est. Elle est là. Je suis en train de parler, le détecteur encore vibre. C'est toi qui as la base des souffrances, tu dis, dites la vérité aux gens, on va vous délivrer. Délivrez aux enfants. Comme venez ici, déclarez vos sorcelleries. Ici, là, ce n'est pas un endroit où on frappe les sorciers, c'est un endroit où on délivre les sorciers. Mais si tu as ça, je vois. Et cache-toi comme ici. Tu as compris? Tu dis, mes enfants sont souffrants. C'est ta souffrance. C'est toi qui es souffrant des enfants. Je suis en train de parler même avec un puis Dieu me dit, mais ramène sur toi. Si vous n'êtes pas prêt qu'on délivre vos mamans, ne les envoyez pas ici. J'ai toujours dit ici, là, si vos parents sont sorciers, on va lui dire qu'il est sorcier. Sans détour. Voilà, si ça vous énerve, prenez vos parents et vous envoyez-les là-bas. Parce que ici, c'est la sorcellerie. Quand tu es dedans, tu te dénonces. Mais en même temps, tu es délivré. Depuis là, il m'a j'ai chanté de parler à la vieille là-même. Le Saint-Esprit me dit, mais le cas de la vieille là, va servir parce qu'elle est très dangereuse dans son jeu. Le micro. Je ne t'ai pas envoyé. Quoi t'attends là-bas? Le brigadier partait déjà. Ici là c'est garage. Les gens les bizarres, c'est sûr les envois. Donc ne soyez pas surpris. Vous voyez les gens dégagent souvent. Bon, elle dit que ceux avec qui elle est ensemble, ils sont dans le même village,
La nuit, elle se transforme en souris pour aller prospecter la chambre. C'est la victime. De la victime. Et si la victime est couchée, elle a un gourdin. Elle le lime avec et elle le tue. Non, elle dit, d'abord, tu n'as pas le prospérer. Ça dit qu'elle va, elle peut arriver après. Elle inspecte la chambre. Sur le champ, si elle voit que la personne est couchée. Ah, d'accord. Elle est couchée, elle le tue. Elle tue. Et si la personne n'est pas couchée, elle n'arrive pas à la tuer. Non. Ok, voilà, c'est maintenant, ça. Ceux qui sont un peu à l'extérieur, dans autre ville comme autre village, elle se transforme en hibou. Ah, ok. En partant, elle a tous ses matériels sous sa main. Comme quoi? Son gourdin. Maintenant, quand elle arrive, elle se transforme toujours en souris pour aller prospecter la chambre. Et si elle voit que la victime est couchée, elle peut prendre le même travail avec son gourdin, elle le tape. Soit la personne tombe malade quelques jours et puis la mort le prend. Et tu manges? Ah oui, Andy. Elle dit qu'elle mange. Quelle partie elle aime bien manger? Une femme qui a tes dieux. Quel est le morceau de la chair qu'elle aime bien? Et quand la mort a pris pas. Bon, elle dit ce que la partie qu'elle aime beaucoup, c'est les doigts avec les orteils. Mais comme c'est elle qui envoie sa viande, on lui donne la tête et puis le cœur. Et c'est doux? Quoi il fait? Quoi il fait? Elle dit que c'est doux. C'est doux, c'est fait qu'elle mange. Maintenant, le poison, tu prends pour empoisonner les gens. Tu n'as pas dit, tu as parlé seulement du gourdin. Il m'a semblé qu'on aurait un papouet et nous pas ensemble. On va voir, ça va. Elle a une poudre. Qu'est-ce qu'elle fait ça? Ah, pas une. On va. Champignon. Elle enlève, elle sèche et puis elle reste en poudre. Okay. Et quand la victime passe à table, elle met dedans, il prend une maladie et puis il décède à la suite. Tu as vu que je sais beaucoup de choses sur toi. Et moi, en fait, ça m'a aidé, il va aussi dans ta robe mon pays. Tu as vu? Qu'est-ce que tu veux? Je veux sortir de la délivrance, de la sorcellerie. Pourquoi? Comme j'ai commis beaucoup de temps, tu veux que je sorte de là. C'est pourquoi je suis là pour être délivré. Sortir pour faire quoi? Afitina, akunengwe. Je vais sortir pour ne plus revenir et puis avancer dans la vie active. Ah bon, pour avancer, c'est pas pour servir Dieu. Apprenez-moi, Ayuma, Nyamie Soufoué. Toi, tu as avancé là, Dieu. Ça, vous servez, nous sommes à mon tour. Là, je suis là, oui, avancer là. Je vous servir le Seigneur. Je n'ai pas entendu, j'ai servi Dieu pour avancer. Elle dit si elle est délivrée, elle ne va plus retourner à la sorcellerie, elle va faire l'œuvre de Dieu. Tu peux avancer. Pour lever ta main pour accepter Jésus. Ma, au sens où, mon sens où, on se fait rien. Tu partais à l'église? À quoi sont-nous là? Ici, en Angamane. Tu fais quoi l'église?
Elle dit qu'elle va à l'église pour prier, mais quand elle arrive, elle pratique. Mais elle fait quelle sorcellerie à l'église? On va y aller, mais elle dit à son nom. Quand elle va à l'église, au moment où le message va sortir, elle s'élève, elle se promène dans l'église en sorcellerie, elle sort et ça va s'asseoir dehors. Elle ferme pour que les gens n'écoutent pas la parole. Elle tue l'église. Attends, il y a vu le biscuit. C'est ça? Tu déplaces l'église, c'est ça? Apama son papa pas le problème. C'est ça? Elle dit qu'elle déplace l'église. Elle dit qu'elle bouge l'entendement des fidèles. Ah, c'est la grâce de Gutenberg. Elle bouge l'oreille. Comment? Elle est pas censée attendre que je pomme. On y a mené avec un bâtiment. Elle dit, quand elle veut boucher l'entendement des gens, il suffit qu'elle essaie de gratter elle-même son oreille. Ah, d'accord. Elle l'entendement des autres. Elle est là, elle gratte son oreille, et puis l'oreille des autres sont fermées. Mm-hmm. Et des chrétiens. Mm-hmm. Comment elle fait? Aïe, façon simple. Je souhaite en irène. Et où est-ce que vous m'avez dit? Comment? Ah, l'intérieur, comme ça. Montre ça bien. Comme ça. Comment tu fais? Comme ça. Et tu dis quoi? Oui, d'accord. C'est que elle dit, tous ceux qui sont ici, comme l'évangile ne traverse pas, il ne faudrait pas qu'eux aussi entendent l'évangile. Donc, ils en savent. Elle-même ferme son oreille et puis ferme l'entendement des autres. Donc, comme toi, tu n'es pas prêt pour écouter l'évangile, pas les autres pour écouter l'évangile. Et moi, après, je m'en dis, je m'en dis. Donc, je m'en dis, je m'en dis. Tu as vu que. Moi, je sais tout ce que tu as fait. Dieu me parle. Tu vois, Dieu me dit des choses. Et tu essayes de. Tu as vu? Tu es une reine sorcière, c'est ça? Attends, une belle famille. Non, l'intérêt est apprenti. Tu es sorcière, reine. Tête. T'apprenti. Dis-moi, toi, tu es reine sorcière. Tu es en train de rencontrer quoi? Elle est reine sorcière. Elle dit qu'ils l'ont placé elle est rentrée dans les elle est tournée apprentie. Toi t'as quel apprenti? Toi tu peux être apprenti qui tue déjà 285 personnes.
Moi, c'est apprenti, ça. Apprenti qui déplace l'église, qui ferme l'oreille des gens. Ça, c'est apprenti. Moi, c'est apprenti qui a dit qu'il m'a bien ça, qu'il m'a mort. Allez, sans soukrou. Soukrou, ça y est, c'est l'école. Très bien, j'apprends maintenant le baoulé. Allez, sans soukrou. Et après, bakangam. Voilà, que ça va pas, bakangam. Apamabé, bye. C'est professeur. Quand on a parlé, dans ce soleil, deux enfants. Ah, papa, il m'a pas c'est ça, là, toi, tu dis, tu as apprenti. Isa, il y a moi, tu as apprenti. Et toi, tu veux changer. Ah, combien de cas il est Combien de cas il est Moi, il y a un commandé, non J'ai honte et puis j'ai peur. D'abord, honte de quoi Où était-il dans un coin? Comment ça m'a été? Les actes que j'ai posés sont trop. Bon, pourquoi? Où était-il dans un coin? Comment ça m'a été? Où était-il? Elle dit c'est parce que les actes que j'ai posés sont énormes. Bon, peur de quoi? Où était-il dans un coin? Elle dit du fait qu'elle est arrivée ici, qu'elle peut être délivrée, elle n'a plus peur. Elle a dit deux choses qu'elle a peur. Elle serait con. Comme vous savez, vous êtes serait con. Comme les actes que j'ai posés sont énormes, c'est pourquoi j'ai aussi peur. Toi, tu fais des choses qui n'ont pas, tu vois des choses qui font peur. Tu t'es, ton corps allait attaquer quelqu'un la nuit, ça fait peur. Mais tu fais ça. Tu as ce courage là d'aller attaquer quelqu'un, tu as ce courage là de te transformer. C'est des choses qui font peur. Toi, tu vas la nuit. Toi, tu n'as pas peur de ça, mais tu as peur de confesser. Pourquoi ça fait que tu fais un peu moins? C'est comment? Tu vas accepter Jésus dans ta vie? C'est parce que je veux accepter. Réponds-moi oui ou non. Parce que toi, tu es naïf, tu peux mourir des gens. Les gens à l'église, elle déplace l'église, pour que les gens n'écoutent pas l'évangile. Lève tes mains. Sans.
faut prier. Moi, c'est la mienne. Il y a qui priorité. Il qui baille par consent. Ah, oui. Il y a qui voit un bien. Il y a qui. Elle va plus jamais retourner encore dans la sorcellerie. Elle demande à Dieu d'ouvrir l'entendement de tous les fidèles qu'elle a fermés. Elle confie, elle, ses enfants, sa famille. Quand tu vas à l'église, on fait ton oreille dans l'église. Il ne faut pas t'écouter l'évangile. Tu es sûr que tu as quitté le diable? Allah fait ce qu'il a dit. Tu vas être délivré. Tant de faire la sorcellerie, ça te fait comment? Elle dit quand elle va et puis elle revient, elle a des remords. Parce qu'elle ressent après l'acte. Qu'est-ce qu'elle sent quand elle pose l'acte? Qu'est-ce qu'elle pousse? Qu'est-ce qu'elle vit au moment de poser l'acte? Pas après l'acte. Bon, elle dit avant l'acte, elle se sent dans une joie et puis elle est pressée. Est-ce qu'il traduit? Professeur, viens. Comment tu es dans la joie, dans l'acte? Quand elle est posée là, c'est-à-dire elle est tuée, qu'est-ce qui la pousse? Qu'est-ce qu'elle vit? Papa, on y est. Et moi, comme moi, Bon, la maman dit, avant qu'elle s'en aille, elle se sent léger parce qu'elle va s'envoler pour partir. Est-ce qu'elle ne sent pas une force? C'est ce que je voulais comprendre. Est-ce qu'elle ne sent pas une force qui la pousse pour mettre l'acte? Voilà, c'est ce que je veux comprendre. Est-ce qu'elle ne sent pas poussée par quelque chose qui est plus forte qu'elle, qu'elle n'arrive pas à maîtriser? Elle ne peut pas dire à l'esprit qu'elle ne va pas. Tu commandes à l'esprit de la sorcellerie. Tu commandes à l'esprit de la sorcellerie. À l'esprit de la sorcellerie. De libérer ce corps dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande à l'esprit
de la sorcellerie. Je commande à l'esprit de libérer ce corps dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Faites la levée. Voilà. Donc elle a déjà tué une personne. Tu vas mourir. Elle n'est pas encore morte. Ok. Pour le mois d'avril, la l'autre personne va mourir. Elle a programmé une autre personne pour le mois de novembre. Demande-lui ça. Et moi, je dis que ça, c'est un peu comme ça. On a des bras où on a pris ça, 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 on a ce corps maintenant dans le nom de Jésus. Tu vas libérer ce corps au nom de Jésus de Nazareth. Tu vas libérer ce corps par la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi esprit de la sorcellerie. Toi esprit de la sorcellerie. Toi, esprit de la sorcellerie. Toi, esprit de la sorcellerie. Je brise tes œuvres. Je détruis tes œuvres dans ce corps. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est maintenant qu'elle passe à la délivrance. Il faut que j'explique un peu ce qui est en train de se passer. Parce qu'après les aveux, il faut que l'esprit qui en est quitte. Ok? Parler ne veut pas confesser, faire des aveux ne veut pas dire qu'elle est délivrée de la sorcellerie. Ok? Il y a un esprit en elle qui la pousse à commettre. Et donc l'esprit en elle. Ok? Dans les aveux, elle a affaibli l'esprit. Ok? Il y avait quelque chose caché dont Dieu lui révèle qui va permettre à l'esprit maintenant de se manifester parce que tout à l'heure il ne se manifestait pas. Donc dès que la chose était révélée, donc l'esprit se sent maintenant faible. L'esprit a commencé à se manifester. Une fois l'esprit sort de ce corps, elle est délivrée. Sinon, si on ne chasse pas l'esprit, mais elle n'est pas délivrée. C'est ça le problème. Il faut qu'on passe à la délivrance, qu'elle passe à la délivrance. Qu'elle obtienne sa délivrance en chassant ce démon. C'est un démon qui en est. C'est ça tout à l'heure, je demandais, qu'est-ce qui l'a poussé? Elle-même dit qu'elle n'arrive pas à maîtriser l'esprit qui l'anime. Ça veut dire qu'elle est sous le contrôle d'un démon. Amen. On dit amen. C'est les enseignements qui sont en train de donner. Elle est sous le contrôle d'un démon. Donc quand le démon est là, la pousse. Quand l'esprit dit va tuer, elle tue. Voilà, elle ne peut pas. C'est ce qu'on appelle. C'est ça les gens qui sont sous le fait de la drogue. C'est les esprits. Les gens poussés par la drogue. On ne peut pas. Tu vas beau les envoyer. Mais c'est les démons qui sont derrière ça. Voilà, la prostitution, c'est les démons qui sont derrière. Les esprits, les péchés, tu ne peux plus te maîtriser. C'est qu'il y a un démon derrière. Voilà. Donc c'est plus fort qu'elle. Donc, tant que l'esprit ne sort pas de son corps, qu'on n'arrive pas à chasser le démon, elle demeure sorcière malgré tout ce qu'elle avait dit. Donc, le fait de parler, dire j'ai tué, j'ai fait ça, ok, c'est un processus, ça fait partie de la délivrance, mais ça ne la délivre pas. Elle sera délivrée lorsque le démon prend le corps pour libérer son corps, parce que le démon l'utilise. C'est ce qu'on appelle, elle est possédée. Elle a animé, possédée d'un esprit. Qui possède sa volonté, qui la pousse. N'est-ce pas? Donc elle-même, n'est-ce pas, qu'elle sorcière, elle avait besoin, si elle a besoin d'être délivrée. C'est vrai que les victimes ont besoin d'être délivrées, mais elle aussi, elle a besoin d'être délivrée pour véritablement marcher avec Dieu. On m'a bien saisi? C'est pour ça qu'il faut, il faut même les aider. On me dit, attends, c'est qui tue les gens, comment on va l'aider les sorcières? C'est ça la miséricorde de Dieu. Amen. C'est ça, il faut que Dieu connaisse l'amour. Et
qui va nous conduire même à accepter même un brigand. Jésus a accepté la croix. Amen. Voilà, il faut arriver à ça. L'amour de Jésus-Christ est l'amour incommensurable qui même accepte. Il nous accepte malgré ce que nous sommes. C'est vrai qu'elle a tué, mais les gens qui cherchent comme des gens. Ça, c'est sorcellerie aussi. Comment ta femme qui est mariée, tu vas la chercher? Femme qui est mariée, ça c'est une forme de sorcellerie. Et les gens sont montés en deck, c'est Satan qui parle. Est-ce que j'ai accepté Jésus? Elle a dit oui. Et donc elle a parlé, elle a accepté. Donc il y a une étape de sa vie très importante, c'est de sortir de ça. Une étape très importante, c'est de chasser le démon. Une fois elle est partie chasser, elle vivra librement sa vie chrétienne. Sors. Tu vas partir de ce corps et tu lâches ce corps. Par la puissance est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas rentrer dans votre corps. Il ne rentrera pas chez toi. Mais j'essaie. Non, ne finis pas, s'il te plaît. Tu coupes ta caméra. L'esprit de sort, ne rentrera pas. Il ne rentrera pas dans ton corps. Hein? Les peuples. Le prophète, le sorcier, il va pas rentrer chez moi. Va arrêter où? On lui demande, sort, il cherche. Lâche. Sort. Libère son âme. Maintenant. Au nom de Jésus. Maintenant. C'est une dame qui connaît beaucoup de secrets de Satan. Vous comprenez? Donc, plus vous développez le royaume de Satan, plus vous avez les secrets de Satan. Vous savez pas qu'en en guerre, ceux qui font la, qui ont fait la guerre, tout ça, l'Allemagne, tout ça, les grands savants ne les tuent pas. On les récupère, ils nous donnent tous les secrets. Comme les gens fabriquent des bombes, tout ça. Tu vois? Donc elle est dans le royaume de Dieu. Elle connaît les secrets de Satan. Et c'est vraiment très important pour elle-même. Comprendre que Dieu est bon, Dieu est à bout. Et puis elle-même, ça peut vraiment l'aider dans sa nouvelle marche avec Jésus. Il n'y a pas un nom qui peut résister à ce puissant nom de Jésus-Christ. Non. C'est pour ça que vous voyez, vous allez voir dans un rêve, vous voyez quelque part, quelque chose qui vous embête. Prononcez ce nom, ce puissant nom de Jésus-Christ, l'action du diable s'arrête immédiatement. On dit amen. 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 Immédiatement. En ce nom, toujours le fléchis. Oui. Feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Touche plus à ce corps. Sonnez. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça. Quand les gens disent, ah, j'ai été délivré, j'ai été sorcier, sorcier délivré, qui a assisté à ta délivrance? C'est certain comment? J'ai des témoignages, je m'avais. Moi, je suis, j'écoute, hein, ça m'aide aussi à voir si les gens. Ça les intéresse. Parce que je veux voir beaucoup d'hommes délivrés. Il y a des gens qui disent qu'ils étaient sorciers, on n'a jamais assisté à la délivrance. Qui a fait? D'autres disent qu'ils étaient sorciers, j'ai vu l'air non sucré. J'ai dit non, toi tu n'es pas délivré. L'air ne peut pas chasser un démon. Toi, tu as nourri ton corps, protéines, tu as bu. Ok? De l'air ne peut pas délivrer un procédé de la sorcellerie. Arrêtez de mentir aux gens. La seule chose qui peut délivrer, c'est le nom de Jésus. Il dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Et la lumière par un démon qui la nie. L'air a fait quoi? Est-ce que l'air, il y a quoi de spirituel dans l'air? D'ailleurs, ce n'est pas les chrétiens qui fabriquent. L'air des vaches. La vache, elle fait de l'air ou puis elle dit, c'est ça veut chasser quel démon. Je suis désolé. Il n'y a que le nom de Jésus. Il a dit, à mon nom seul. Vous chasserez les démons. On ne peut pas donner autre chose que ça à quelqu'un. Ah non, il a été sorcier, il a été délivré. Mais comment? Posez la question à la personne. Si elle vous explique pas comment elle a été délivrée, par qui? Priez là, il n'y a pas de délivrance. Arrêtez vos comédies. Vous passez des mondes à sorcier, ça va si facilement comme ça.
Non. Arrêtez ça. Il faut qu'elle passe impérativement par une délivrance où on chasse les démons. Voilà. Et puis maintenant, quand le démon sort du corps, c'est un mauvais esprit. L'esprit de Dieu vient posséder son corps. Donc son corps devient le temple du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Le corps devient vraiment le temple du Saint-Esprit. Donc, désormais, son âme va accepter tout ce qui est la parole de Dieu. Si on lui parle de l'évangile, elle va accepter. Si on lui dit, Jésus lui dit, on lui dit, ne tue pas, elle acceptera ça. Parce que l'esprit qu'en elle va l'aider dans sa marche avec le Seigneur. Or, l'esprit qu'elle avait, c'est un esprit de mal qui l'aidait à accomplir les œuvres du diable. Donc, quand l'esprit sort de son corps, l'esprit de Dieu prend possible. Jésus va limiter le diable et Jésus. Non, ça se mélange même pas. Ok, Jésus vient habiter là, le Saint-Esprit. Et pas que le démon, le corps soit nettoyé. Amen. Parce que la Bible, quand dit Jésus, qui dit qu'un démon sort, le corps est balayé par l'esprit. L'esprit nettoie, l'esprit de Dieu nettoie le corps. Ok? Or, la nature aurait de vie. Il ne doit pas avoir une vie. Non. Dès que l'esprit sort, le Saint-Esprit prend possession de son esprit humain. Et désormais, elle commence à avoir les pensées de Dieu. Elle va commencer à dire, non, ça c'est péché. Non, je ne fais pas ça. Elle a la capacité de refuser. Ou dire, non, elle peut résister. Qu'on ne résiste plus, c'est qu'on est contrôlé par un démon. D'accord? Quand sort. Et ça, tout chrétien peut le faire. Tout. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom et chasseront les démons. Sors! Aïe! 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 Ouais, le démon entend de partir. Ouais. Voilà. Il entend de partir. Voilà. Voilà. Ouais. Vous vivez ça en direct. En direct. En direct. En direct. En direct. Le démon entend de partir. Il entend de partir. Il est en train de partir. Il est en train de partir. Il est en train de libérer son corps. Soleil! Allez! Va! Va-t'en, va-t'en, va-t'en! Libère-la. Au nom de Jésus. Libère-la. Au nom de Jésus. Libère-la au nom de Jésus. Libère-la au nom de Jésus. C'est fini. Elle est délivrée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus?
abouti. Avant qu'elle te salue, elle voit abouti hérisson. Bonjour maman. Elle dit bonjour abouti. Demain, la sauce graine, tu vas voir. Elle la calée. Ça va? Comment elle se sent, peut-être demander? Non, on est chassé. Parce que quand tu as ce démon, tu es comme malade. Tu es malade. Ah, tu es pas. Se sent à l'aise. Comment elle dit bébé? Bébé. Bébé. La clame de Seigneur pour bébé.